Et bonsoir à tous, là, je crame un peu là. Bon. Bonsoir à tous, on me parle déjà sur Discord, donc je mets tout de suite, j'espère que vous allez bien. Salut. Ah le voilà, ça va? Oui, ça va, et toi? Ça va, hein, écoute. Comment allez-vous sur le chat, Gumi? Eh ben écoute, je viens de leur poser la question, on verra si ça répond. Mm-hmm. Allez, bon, écoute, je vais t'inviter. Ouais, We Are Here Together, on finit. Et ensuite, on passe au Forever. Donc, invitation envoyée. Ouais, l'interface a changé de Steam. Oui, ils ont refait une mise à jour, là. Ici, ouais, hier soir. Elle est sympa. Elle fait un peu plus récente. Ça, on l'a fait. On était au chapitre 7. Chapitre 8. Ouais, c'est ça. Hop. Ah oui, d'accord. On peut... C'est bon. Et, c'est bon. Commencer. Voilà. Et on est parti. Chargement du point de sauvegarde en cours. Hein. Comme toute la fois passée, ça prend un peu de temps. Voilà, normalement. J'ai qu'un tableau bougé devant moi déjà là. Ah, zut. Paramètres. Commande. Alors. Petite seconde, hein, je dois. Replace. Pour l'instant, je visite. Voilà. Et une voiture ou une moto. Une moto, ouais. Alors, voilà, c'est mieux. Donc, je vois que j'ai des tableaux un peu partout. De retour avec les bestioles bizarres. Ah, ouais, moi c'est pareil, j'ai des tableaux, tu peux... Attends, est-ce que tu viens de toucher à quelque chose? Oui. Retouche? Ouais, j'entends quelque chose qui bouge, chez moi. Ça fait le bruit du tableau que je fais fonctionner, parce qu'en fait, dans un tableau, j'ai 3 carrés, j'ai 4 carrés que je peux faire tourner. Justement, en parlant de ça, je l'ai devant moi, le tableau avec les 4 carrés. Ok, j'en ai un là au-dessus de l'escalier, j'en ai un autre côté d'une porte. Ah, j'en ai un autre ici, ok. Ah, ça fait un coucou quand tu touches. Non, j'ai rien touché moi, mais il y a un coucou. Il y a un coucou chez moi, ouais. Ah oui, il y a un coucou ici. D'accord. Il y a pas mal de choses, hein, donc... C'est quoi ça? Faire fonctionner. Là, j'ai des choses à placer. Attends, parce que j'ai des choses à placer aussi. Bientôt, j'ai un troisième tableau. Ah, d'accord. Prendre. Ouh, je pense que les tableaux, je vais devoir les replacer à la bonne place. Ouais, sûrement, ouais, c'est... Parce que je peux les prendre et les déplacer, donc... Ok, le coucou, j'ai des choses. Pour l'instant, je peux rien en faire, mais... J'essaie d'analyser un peu le truc, là.
Bah, dis-moi déjà, donc tu as des tableaux avec des carrés que tu peux bouger, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Alors, dis-moi ce que tu as dans ces tableaux, parce que là, j'ai trois tableaux ici, donc... Sur chaque tableau, j'ai des fleurs et des rosaces. Ouais, mais elles sont toutes différentes, je pense. J'en ai un qui est complet et bien mis en place, t'as vu, mais ouais, tout non, mais correspond. C'est quoi comme type de fleurs? C'est quoi comme rose? C'est quoi comme... comme feuille, j'ai l'impression que... Déjà, faut voir... ouais. Bah moi, le premier tableau, le tout premier auquel j'ai accès... Enfin, j'ai accès à tous, mais le tout premier auquel je pouvais faire... J'ai une espèce au centre tableau, j'ai une fleur là, au premier plan, à 4 pétales. Une fleur à 4 pétales. Avec une espèce de bulbe noire, là, comme un pissenlit, tu as vu. Une fleur à 4 pétales, attends, hein, je regarde. Ça peut l'air d'être ça. Oula. Au centre, hein, tu dis? Oui, au centre du tableau. Au centre du tableau. Ah oui. Attends, non, ça paraît pas... Qu'est-ce que tu appelles 4 pétales? Parce que j'en ai beaucoup qui ont des 4 pétales, donc... 4 pétales, ça va être 4 grosses pétales pointues au premier plan, au second plan... En dessous de ces 4 pétales... au centre, bah, t'as 4 autres pétales, mais plus petites. En fait, c'est un escalade, t'as vu ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Non, je... Je sais pas comment te dire ça... Regarde plutôt le centre de chaque... le centre de chaque tableau. De chaque case. Parce que c'est ça, en fait, oui. Alors, par exemple, moi, au centre d'un des carrés, j'ai une... Bon, j'ai une fleur, hein, dans tous les carrés, j'ai des fleurs de toute façon. Donc, dans un tableau au centre des carrés, j'ai une fleur qui fait... comment expliquer? Bah, c'est noir au milieu. Ouais. Et puis, haut, bas, gauche, droite, il y a des rouges, des traits rouges qui vont tout droit. En diagonale aussi. Et puis, sur les côtés, il y a des plus roses qui vont un peu vers la gauche, vers la droite. On va dire des arcs de cercle. Ouais, qui font des courbes. Ok, ouais, bah moi c'est pareil. On trouve ce tableau. C'est pareil, c'est... Ouais, je suis devant. T'es devant, ok. Donc, je vais devoir te décrire le reste du tableau, pour que tu mettes dans le bon ordre les cases, j'imagine, ou que tu tournes les... Ouais. Alors, en haut... Alors, tout en haut, le centre, c'est... Non, en haut à gauche. En haut à gauche, hein. Le centre. Ouais, ouais. Le centre, c'est un grand pétale avec des petites autour et plein de feuilles en dessous qui se superposent les unes les autres. Ouais. Alors, au-dessus du centre, c'est un grand pétale et deux demi-pétales plus deux gerbes de trois feuilles qui partent sur les côtés. Ouais, ouais. Tout à fait dans le coin haut et gauche, c'est plein de petites pétales comme des langues de serpent. Donc ça se divise en deux. Non, mais ça a l'air d'être dans le bon sens. Ça a l'air d'être dans le bon sens, ok. Alors, prends les autres leçons. À droite, c'est la même chose, mais à l'opposé. En miroir. Ouais, c'est ça. En dessous, c'est différent. En dessous, c'est différent. En dessous, c'est différent. Alors, en dessous, au centre, c'est les langues de serpent. Aussi bien à gauche qu'à droite. Ouais. Donc tu devras certainement tourner ton truc pour avoir les langues de serpent au centre. Oui, c'est ce que j'ai fait, les deux. Ok. Et à gauche et à droite, hein, t'as les langues de serpent au centre. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Bon, on peut passer au tableau suivant, alors. Ok. Alors, le tableau avec, au milieu de chaque case, une fleur bien ronde,
Enfin, les pétales forment un beau petit cercle. Ça te fait une rosace au centre avec plein de pétales vertes autour. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, en haut, ça fait comme une marguerite. Donc, c'est-à-dire en que haut, tu... à gauche. Non, le centre en haut, à gauche et à droite. Donc le centre, c'est vraiment un gros bouton de fleurs, et puis bah t'as des pétales bien droites arrondis vers l'extérieur. Ouais. Voilà. Ok. Et en bas. Et en bas, au milieu. Oula, c'est comme des pattes de grenouille les pétales. Donc c'est comme une patte avec trois doigts. Ah ok, ouais. Je sais pas comment te l'expliquer autrement. Il y a trois pattes en fait hein, à chaque fois, et trois doigts à chaque patte. Ouais, c'est un bulbe vert quoi, avec des espèces d'ovales verts dessus quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, j'ai bien placé ça au centre, donc troisième tableau. Attends, et donc en bas et en haut, tu dois avoir un beau petit bouquet de plein de petites fleurs. Ouais. Et sur les côtés, tu dois avoir un peu une fleur alien avec des trucs qui sortent. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça. Okay. Je vois pas trop comment tu m'expliques ça, mais bon, ça doit être ça, j'imagine. De toute façon, il y a pas trop. J'imagine. Hein, voilà. Alors, le troisième tableau. Donc, c'est un tableau avec dans chaque case une fleur au centre et puis plein de petites fleurs autour. Ouais. Voilà. Et tout le centre. C'est des petites langues de serpent. J'imagine que c'est celle-là. Ça avec plein de petites langues de serpent. Ouais, ça fait une grosse fleur jaune avec des pétales verts sur le côté. Bah, je sais pas si c'est jaune parce que pour moi tout est rouge ici, mais. Ouais, ça fait rouge et jaune avec des. Enfin, ça fait une grosse fleur au milieu. Ouais, avec ça, une, ça fait deux, vraiment trois... un gros. Quatre gros pétales en diagonale et quatre pétales qui indiquent le nord-sud. Ouais, est-ouest. Ouais, c'est ça. Ça fait un gros pompon quoi au milieu. Ok, d'accord. C'est validé du coup. Je peux pas le savoir. On n'a pas eu la musique, donc je pense pas. J'ai sur le bureau aussi. J'ai des trucs à placer, on dirait. Bon, on verra placer. Après. Alors, les tableaux, on a déjà fait. Alors, ah, tiens, inspecter. Placer. Tu peux bouger des tableaux, c'est ça? Non, des objets. Ah, des objets. Sinon, moi, genre, là, j'ai une espèce de sablier. Une boîte à musique, un tourne-disque, là. Alors, j'imagine que tu as la même salle que moi. Il faudra construire la même salle, du coup. Oui, attends, je vais te décrire la salle pour voir un peu. Donc, depuis la porte d'entrée, d'où je suis arrivé. J'ai un bureau, le bureau. J'ai un genre de petit, un petit perron, un petit truc en bois, et je peux descendre un peu. C'est sûr, il y a une mezzanine, et Dis-moi par exemple, va vers la cheminée, va vers la cheminée. Ouais, justement, c'est sur ma droite. Sur ma droite, j'ai la cheminée. Il y a quoi sur la cheminée? Posé sur la cheminée. Sur la cheminée, j'ai un tableau avec un genre de héron avec une coquille d'escargot. Posé sur la bordure de la cheminée, hein. Posé sur la cheminée, ouais. Alors attends, faut que je trouve un... Tu m'as dit un héron? Je pense que c'est toi qui dois me dire ce que tu as sur ta cheminée et moi je vais le poser. Moi j'ai un sablier sur la mienne à gauche. Tu as un sablier. Moi aussi je dois apprendre et déplacer des trucs donc Ah, c'est bizarre ça parce que le sablier moi je vois pas. Bon bah Comme ton tableau dont tu me parles, je vois pas. Moi j'ai quoi? J'ai un espèce de cube. J'ai un cube. Trois objets que je peux prendre et déplacer là. Un sablier. Une boîte à musique. Je pense que je peux rien prendre d'autre. Il n'y a rien d'autre. Attends, sur le bureau, moi j'ai quoi? Bah, j'ai pas grand chose. Je peux pas ouvrir.
Pas grand chose d'intéressant. Oh, attends, ouais. J'ai un chandelier à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à 7 bougies sur un petit meuble. Et je peux allumer. Et je peux allumer ou éteindre des bougies. Donc j'imagine que tu l'as aussi. Et tu peux aussi allumer ou éteindre des bougies ? Non, moi là je peux pas le faire. Eh bah dis-moi de gauche à droite. Quand tu es dos au bureau, de gauche à droite. Donc la première, elle est allumée. Oui. Deuxième allumée. Oui. Troisième éteinte. Quatrième oui. éteinte aussi. Oui. Cinquième allumée. Oui. Sixième éteinte et septième allumée. Bingo. Ah, ça m'a ouvert un truc. J'ai gagné un livre. Avec là, j'ai un livre. Avec un i sur la couverture. Ou pareil. Un. Je sais pas. Pareil, pareil. Ah, va le meuble sur le meuble en face des bougies là. Le meuble en face des bougies, oui. T'as une espèce de sphère violette qui clignote là avec un livre marqué P dessus. Oui. T'as quoi à gauche et à droite de ce meuble ? Bah, pas grand chose, un meuble tombé et. Non, mais posé à côté de l'objet où il y a le livre. Rien du tout. T'as rien du tout dessus ? Rien du tout. Moi je dois placer des trucs. Alors je suis incapable de dire quoi. Je dois placer deux objets. Comme le bureau, je dois placer des objets dessus. La cheminée, attends, je dois placer. J'ai des objets plaçables dessus. Ici. Donc. Je dois toucher l'appareil. Ah, d'accord, oui, ok. Donc, reviens un peu sur le truc avec la sphère violette, là. Ouais. Donc, toi, normalement, tu peux toucher la sphère violette. Tu peux interagir, non ? Non. Ok. Tu vois qu'il y a des cristaux violets un peu partout dans la pièce. J'ai aucun cristaux violet dans aucun coin de la pièce, j'ai juste sphère violette. Et je te dis par contre, j'ai des objets que je peux placer. Ça. D'accord. Enfin, c'est. T'as fait quoi ? J'ai vu un truc bouger sur les. Refais ce que t'avais fait là ? Bah, en fait. Non. Attends, hein, je regarde un peu. En fait, moi j'ai des cristaux violets. Je dois les allumer dans un certain ordre, mais ils me disent pas lequel. Ce sera certainement à toi de me dire si ça s'allume ou pas de ton côté, ou lequel je dois. Vas-y, place-les un par un. Attends. Donc, je dois d'abord toucher la sphère violette, j'imagine. Non. Non. Allez, j'ai réussi à en allumer. À combien de. Là, il y a un truc qui s'est passé là. Ça a déverrouillé un truc. Ça a déverrouillé un truc, ok. Ça a déverrouillé où ? Normalement, il y a un bureau sur la sphère. La sphère violette, ça m'a enlevé un loquet. Sur. D'accord. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 loquets, ça m'en a déverrouillé un. Oui, d'accord. Mais dans la pièce. Dans la pièce, est-ce que tu as vu quelque chose qui aurait changé ? Une lumière qui se serait allumée quelque part ? Je viens te dire, il y a juste ça qui vient de se passer. Non, raté. Je comprends pas. Bah, continue, c'est à moi de te dire quand tu trouves la bonne ou pas. La première, tu remets la même. Ça change à chaque fois, en fait. Ah. C'est pour ça, il doit y avoir un moyen que tu me dises... Non. Aucune idée. Donc là, il est bien marqué, quand je touche et que ça s'allume, ça débloque un verrou. Oui, c'est autour de la sphère. Mais je ne peux pas toucher celui qui s'allume pas. Mais regarde autour de toi si tu vois pas des cristaux violets posés quelque part. Non, j'ai aucun cristaux.
La pièce elle est pas grande, hein, je les aurais vus sinon. Bah, je sais pas, je connais pas la taille de ta pièce, moi c'est assez grand donc. Bah c'est le même que toi apparemment cette fois-ci. Vu qu'on a fait les tableaux en symétrie et tout dessus donc. Là j'ai allumé quelque chose, donc ça a déverrouillé. Là t'as déverrouillé un loquet. Un loquet. Maintenant il faut que je trouve lequel je dois déverrouiller après. Y a pas de bouquin qui te dit quoi déverrouiller, comment. Non, que dalle, je peux rien faire. Là, en gros. Quoi ça Inspecter. En gros, en bas des escaliers, moi j'ai un livre qui me disait tu peux toucher pour allumer les. Tu peux toucher. Les Mais ils me disent pas lequel, donc peut-être. La pierre, tu peux toucher. Enfin, j'ai une croix sur la main sur un crypto, je sais pas pourquoi. T'as une croix sur un. Ah, c'est celui que je. En fait. Quoi ? Touche le cristal quand la sphère elle est allumée. Oui, mais je sais pas quand elle est allumée, donc tu devras me le dire. Parce que c'est moi, la sphère, c'est là qu'il faut que je le dise, du coup. Vas-y. Attends. Ok, elle clignote très vite. Là, elle fait 1, 2, 1, 0, 1, 0. 1. Attends. 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0. Donc le 1 allumé. Là. C'est bon. J'ai eu le deuxième. Je vais te dire. Vas-y, un troisième. Attention. Vas-y, je suis devant. 0. 1. 1. Bon. Vas-y. Attends. T'as été trop lent là. Oui, je sais, mais. Là elle s'allume plus. Elle reste éteinte. Ah ok. 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0. Voilà. J'ai le premier. C'est bon. Vas-y. Vas-y. Mais je sais pas, dis-moi comment ça clignote parce que là. Voilà, elle est éteinte. Allumée. Wesh, c'est quoi ce délire là? Donc, pas quand elle est éteinte, quand c'est allumé, je touche et ça s'allume. Mais il faudrait que je sache lequel allumer, c'est ça le truc. Tu lis bien 1 quand il est allumé, hein. Oui, oui. 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1. C'est bon. Vas-y. Pour l'instant, ça fait rien. 1. Non, non, trop tard. Faut que... 0. 1. Mais pourtant... 1-0. 1-0, 1-0, là, mais pourtant là c'était bien allumé là. Oui, je pense qu'il y a un ordre précis mais je vois pas lequel. Je vois vraiment pas lequel. Il me donne pas d'ordre sur le livre. Il me dit juste de toucher quand c'est allumé. Ouais, ouais, bah moi aussi. Tu fais quoi à la fin ? Bon, bah il doit nous manquer un truc pour l'instant pour pouvoir le faire. Hein. Bah, je pense pas. Bon, c'est... Je t'ai dit déjà, j'ai 4 objets à placer, je sais pas quoi en faire. T'as quoi comme objet? Je t'ai dit, j'ai un tourne-disque, j'ai un petit globe, alors, j'ai un cube. D'accord, le petit globe. Ouais. C'est sur le bureau en face du chandelier, sur la droite. Ouais. Sur le bureau en face du chandelier, sur la droite. Ouais.
putain. Quel bureau tu parles de? Ouais, le bureau. Bah, le chandelier qu'on a fait avec allumé éteint. En face de la balance sur le bureau. Ouais, c'est ça, juste devant la balance sur le bureau. De... Ok. Ensuite, j'ai la boîte à musique. Alors, la boîte à musique, je sais pas, j'ai pas vu. Si, la boîte à musique, elle est sur le. Sur la cheminée. Quel côté? À droite. Ensuite, il me reste un cube et un sablier. Le cube, je l'ai vu, il est sur la sur le bureau, sur la mezzanine. Sur le à bureau, droite. Sur la mezzanine. Ok, et le sablier. Et le sablier, je l'ai pas vu. Si, mezzanine dans le dans la bibliothèque. Alors. Donc la bibliothèque, c'est sur le mur à gauche. Le plus proche du coin. Là, il y a eu quelque chose. Oui, mais ça a été non. Ah, si. Derrière, il y a un coffre qui s'est ouvert avec un livre. Derrière quoi? Derrière la bibliothèque? Non, quand tu regardes la bibliothèque, à l'arrière. En face du tableau que t'as dû faire tout à l'heure. C'était ah oui, même... petit coffre. Et le livre, j'ai un S dedans, ouais. Bon ben déjà, deuxième énigme de fait. Bon, moi, la première, elle aurait dû nous donner un livre aussi, le tableau. En théorie, oui. C'est qu'on s'est trompé quelque part. Ou alors, c'est parce que moi, mes tableaux sont pas encore mis à la bonne place. Comme je dis, j'ai plein de tableaux d'animaux. Oui, ça, les tableaux d'animaux, oui, mais ça, je peux rien en faire des tableaux. Mais toi, tu peux rien en faire à part me dire où est-ce qu'ils sont placés. Quoi, tu dois les placer, toi? Ouais, je peux les enlever et les placer autre part. Donc, par exemple, là, j'ai un oiseau avec une coquille d'escargot, un seul bec, et une patte à quatre doigts. Et deux pattes à quatre doigts. Un oiseau, alors. Un oiseau blanc. Un oiseau. Avec deux becs. Avec un seul bec. J'ai deux becs. Avec un seul bec. Ok. Bah, il est près du tableau qu'on modifie, là, vers le coffre où on a mis le... On a ramassé le livre S, sur le mur à gauche. Sur le mur à gauche... Non, c'est pas toi... Sur la mezzanine. Ouais, j'ai compris, mais... Ouais, c'est bon. Alors, ensuite... J'ai une bestiole, c'est un genre de kangourou avec une tête sur son torse, une tête de lion sur son torse. Et Une tête d'oiseau sur la queue. Et la queue, c'est une tête d'oiseau, ouais, qui se mord la queue. Alors, elle est juste à côté du deuxième tableau qu'on a fait. Juste à côté. Juste au-dessus. Voilà. Dans l'escalier. Ensuite, j'ai de retour un kangourou avec une tête de lion sur le torse. Sauf que ce kangourou-là, il y a une corne bleue et une coquille d'escargot. Il est posé par terre à l'entrée, en bas des escaliers. Voilà. Sur le mur, sur la fenêtre. Oui, là j'ai un genre de lapin avec un casque de coquille d'escargot et des ailes et une tête d'oiseau qui lui mord la queue. Posé sur le chevalet à côté du tableau que tu viens de poser. Ok. J'ai un oiseau blanc à deux becs avec une coquille d'escargot. Ok, donc là c'est à la sortie des escaliers en haut, à côté du tableau que tu as posé là. Du kangourou là avec le lion et l'oiseau qui se mord la queue. Voilà. À côté, donc en haut. Juste en haut des escaliers, ouais. La sortie des escaliers. Voilà. Alors, j'ai un lapin avec une aile et une queue oiseau qui mord. Juste après, sur le mur, pareil. Juste après, sur le mur. Juste après, l'oiseau à double bec. Et j'ai encore un tableau avec un gars. Et il est marqué espion dessus, sur mon tableau. Il est... Donc, tu vas à l'entrée... Ouais. Tu vas sur la petite unité à gauche, là, et tu le poses sur le mur au-dessus du Vader Godvaert, je sais pas quoi, là. Ah, c'est Mister Ambrosius, moi. Ok.
D'accord. Bon, il y a quelque chose que j'ai mal dû faire ou que y a un tableau que j'ai pas vu. Tu m'as dit que t'avais pas un tableau sur la cheminée ? J'en avais pas. Enfin, j'en avais un, maintenant j'ai retiré. Ok. Donc attends, on va refaire dans l'ordre. Le tableau du gars, c'est à côté de l'entrée. C'est ça ? Le tableau du gars, c'est juste à droite de la porte à l'entrée, là, Népias. Ok. Okay. Ensuite, okay. Je descends les trois marches et j'ai le tableau d'un kangourou avec tête de lion et la corne et la coquille d'escargot sur le dos. Ouais. J'avance sur le chevalet. J'avance un peu, je suis sur le chevalet, donc c'est le lapin avec le casque en escargot, la queue oiseau et des ailes. Des ailes blanches, ouais. Ok, donc je continue, je commence à monter les escaliers. Je passe ton tableau à toi que tu devais modifier. Le premier ouais. Que je vois, c'est le kangourou avec l'oiseau qui mord la queue et c'est tout ici. Et le lion qui a une langue bleue. Langue de serpent bleu, ouais. Ça. Ok. Le suivant, c'est le lapin avec des ailes et l'oiseau qui mord la queue. Non. T'as inversé voilà. Les deux, là. Voilà, c'est ça. Pour ça que j'avais demandé, parce que j'étais... Et là, ça m'a ouvert... Ok, ça a ouvert bah, juste à côté, en haut. Donc, N-S-I, du coup. S-N-I. Voilà, très bien. Donc... Est-ce que toi, tu peux encore modifier tes tableaux de ton côté ? Carré, là ? Ouais. Ouais, bien sûr. Alors, c'est qu'on a mal fait. Bon, on recommence. Allez, premier en bas, là. Premier, alors, en bas. Tu... À côté de l'horloge. Ouais, c'est ça. Donc, à côté de l'horloge, au centre, en haut, c'est des grandes pétales bien larges. Ouais. Avec des petites feuilles qui recouvrent bien. Ouais. En bas, c'est des pétales en langue de serpent. Ouais, là-dessus, là, on est d'accord. Ça part en Y. Ouais, si tu veux, c'est des Y. Ouais. Ouais, ça, là-dessus, on est d'accord. Donc, celui-là, il a l'air bon. Celui dans l'escalier. Ok. En haut, c'est des longues pétales un peu arrondies sur les bords et un gros demi-cercle. Pour moi, tout est rouge, donc je vais dire rouge, mais... Tu peux me répéter ce que tu m'as dit, hein ? Donc, en haut, il y a un cercle vraiment presque plein. Et de là partent de gros pétales bien rouges, longs et fins. Pas bien rouge, je sais pas, mais le gros pétale long et fin. Voilà, ça a ouvert quelque chose. Ah bah voilà, c'était ça. Je sais pas où ça a ouvert. Là, le tableau à côté de l'horloge. Tableau à côté de l'horloge. Ok, ouf. Très bien. Voilà, ça va faire espion. Nip. Est-ce que tu peux faire quelque chose à cette horloge parce Nip, que yes. Le fait qu'elle sonne... Il y a un A dedans, donc l'horloge. Ouais, donc ça va pas faire espion, puisqu'espion ne prend pas de A. Ah putain, j'ai des boutons sur le côté. Ok. Je peux modifier ces fameux boutons. Ouais. Et donc ça donc dis-moi le bouton d'en haut. Que t'as comme réglage bah, moi j'ai pas de réglage en fait. Hein. Je peux rien faire. Tout ce que j'ai des vieux boutons. Enfin, des tu vas devoir que me donner. Pas toucher. Donc, le premier en haut, si tu le touches, ça fait quoi ? Si tu veux juste le tourner, changer la combinaison, quoi. Ouais, mais ça fait quoi si tu changes celui du haut ? Bah, rien. Faut que je donne okay. Une combinaison et que j'appuie sur le bouton. Alors, pour valider la combinaison. Moi, le bouton du haut, en fait, j'ai 4 barres qui sont autour. Ouais, ouais. Mais voilà, je sais rien faire de plus, y'a rien qui démarre. Et ta flèche, elle est où ? Elle est positionnée. J'ai pas de flèche. Change celui du milieu alors. Parce que j'en ai un, il a 4 barres, celui du milieu il en a 6. Ouais aussi, et le troisième il en a 3. Le dernier il en a 3. Voilà, mais je sais pas donc. Ça va être pour régler l'horloge, j'imagine.
Donc peut-être que moi je dois te... Enfin je sais pas. Est-ce que... Oula, ça... là. Ok, il y en a un, ça a réglé pour... Il y en a un, ça règle la... la deuxième règle la vitesse de l'horloge et le troisième... modifie la sonnerie de l'horloge. D'accord. Ah, d'accord. Alors, ok, alors, d'accord, je viens de comprendre. Comment sont positionnés tes poids ? Mes poids. Alors, celui du centre est tout en bas. Celui du... de droite est tout en haut. Ouais. Et celui de gauche est entre les deux. Ok. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ensuite, tu avais quoi ? C'était quoi le deuxième ? Le deuxième, c'est la vitesse de... Quoi, c'est la vitesse ou... Le pendu... D'accord, c'est le tic-tac. Donc, écoute bien, ça fait... Tac, 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 tac. Et continue. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. C'est bon ? Hop, 2. Tac, 1. Tac, ok. 1, 2. Et deux. Le troisième, c'est le coucou. Alors, le coucou. Grave. Allez. Au plus aigu. T'as grave, moyennement grave et aigu. Ah, moi, il fait un. Un. C'est bon, c'est ça. Ah, ben voilà. je l'ai bien imité, ça veut dire. Bref, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livres-là ? C'est bien beau d'avoir tous ces livres, mais... Bon, il manque encore le P. Qui est dans ce... dans cette sphère-là, enfin... T'as vu qu'il y avait une pièce derrière encore aussi ? Oui, oui, mais moi je peux pas y aller. Il faut, c'est certainement ça qui doit s'ouvrir une fois qu'on a terminé les énigmes. Donc le P, ouais. Alors, pour le P, donc, tu me dis quand ça clignote, quand c'est allumé. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. C'est bon ? Là, il reste éteint pour le moment. Pourquoi il reste éteint ? Je ne sais pas. Ah, mais non ! Il clignote vite ou pas ? Là, il clignote normalement. 1, 0, ok, 1, je crois que j'ai 0, compris. 1. Quand je me rapproche de celui qu'il faut, il clignote plus vite. Ah ! Là, il clignote pas du tout, là. Ok, ça va être celui du haut, je parie. Attends. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Ouais, c'est ça. Attends, je me rapproche de celui-là. Non, aucun battement. Celui-là. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Nickel. J'ai compris. Celui-là. Rien du tout. Rien du tout. Ça va être celui-là, alors. Ouais, ça clignote vite, là. 1-0, 1... Ah, nickel. Et ben, donc maintenant, celui-là, il n'y a plus que celui-là, hein. Ouais. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Bingo ! Et le P. Bon, on en fait quoi, maintenant, de tous ces livres ? Snape. Ça veut dire quoi ? Piano, Ok, très bien. Bon, moi, on a une bibliothèque là-haut, mais... Ah, ah. Quoi ? Je peux poser les livres là. Où ça ? Tu vois la bibliothèque à côté de la cheminée ? Ah, la cheminée, la cheminée... Sous le tableau, t'as un tableau d'un monsieur, et tu peux placer entre des planches de bois les livres. Ah oui, d'accord. Alors... Je peux faire Pénisa. Bon, ça change, ça fait pas. Je pense pas que ce soit ça, faut que ce soit un truc. Moi j'ai Espiane.
je vais essayer, hein, espiane. E-S-P-I. Epsiane, pardon. Epsiane. Non, espiane. Espion, mais avec un A. Bah non. Bah si toi t'es en miroir... Nepias. Oui c'est ça, toi t'es en miroir donc tu dois le faire à l'inverse, donc c'est N-A-I-P-S-E. Non. N-A-I-P-S-E. I-Yas. Nepias, c'est comme ça que c'est marqué sur le tableau. Comment tu... N-E-P... Bah mets-le comme ça alors, comme sur le tableau. N-E-P-I-A-S. Nepias. Oh non, c'est moi qui dois mettre Nepias et toi qui dois mettre Espiane. Essaye donc E-S-P-I-A-S. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Non ? Illusion mineure. Ok, là oui, d'accord. Dans la bibliothèque, ça s'est ouvert. Ouh, le changement d'ambiance. Je n'ai pas assez de fragments. Pour un autre fragment. Oh. J'ai un concert privé, moi. Ouais, pareil. Ok, j'ai des petites fioles. Bon. Alors, j'avais des choses, moi, ici. J'ai... Forlorn and ridiculed, FBPJPOFA, by royal decree, revealed to be the ruin of me again. Oh purée, y'a des racines. To stand the test, you shall atone. Et des plantes. Do not jest. Now tempted by embrace of night. Ending thus my relentless plight. Oh, my king, cherish. Ok, très bien. J'ai des champignons aussi, enfin des livres avec des champignons. D'accord. Donc j'ai plein de... J'ai des parchemins, des livres, un tableau avec des trucs, donc bah, il faudra... Ah, il a arrêté de chanter. Vas-y, rechante, ça me motive. Ouais, j'ai de tout. J'ai même des crabes ou des choses comme ça, des Bernard l'ermite. Bref. Est-ce que tu n'aurais pas des choses, des plantes, des potions, des... Ah si, effectivement, j'ai plein de potions. Ah bah voilà. Donc, de ce que je comprends ici sur mon tableau, on va devoir créer une pierre rouge. Pour créer une pour créer une pierre rouge, il nous faut trois ingrédients. Pour faire ces trois ingrédients, il nous faut d'autres ingrédients. Pour faire ces ingrédients, il nous faut encore des ingrédients, etc., etc. Ah bah bon Dieu. Mais sauf que moi, j'ai des abréviations. Par exemple, ici, pour faire PB, j'ai besoin de PE et FR. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que c'est PB qu'est-ce que c'est, pardon, PE et FR. Donc là, toi, peut-être que tu pourras m'aider.
J'ai pas grand chose à part mes potions et un labo de chimie, donc. FR, 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 fungi, ribarex, fungi, riboroxis, fungi, ribramis, fungi. Ouais, bon, bah, c'est tout des fungi, ri, machin. Alors, bah, on va essayer des trucs, hein. Je pense que c'est le mieux de tout. PE, qu'est-ce que ça pourrait être? PE, c'est pas un champignon, ce serait plutôt du crabe, ou du Bernard l'ermite, ou des choses comme ça. Donc, PE. Paraxiophylexorate, paraxioborate, paraxioborate, paraxiborate. Non, paraxiro. Oh purée. PE, Pristavic, non, Pristaxif, Pristaxio, Philexorate, Primaxidophile, purée. Ah, j'ai l'air d'avoir fait un truc à base de crabe là. Attends, j'en ai un avec un A, c'est Allium. Est-ce que j'ai un truc avec un A? Non, je n'ai pas. Alliumigna, non. Et les autres, c'est des oxy-machins. Oh, purée. Et toi, t'as rien ici. Bon, tu peux faire des mélanges, j'imagine, de ton côté. Ouais, j'en ai découvert un, d'ailleurs. Alors, vas-y. Dis-moi ce que c'était. Ou à quoi ça ressemble. Après, ça me fait une espèce de potion, il y a une espèce de crabe dessus. T'as une espèce de crabe dessus. Il ressemble à quoi, le crabe? Le crabe, il est jaune, hein, espèce de grandes antennes avec ses yeux dessus et alors, une espèce de fleur, une grosse de fleur violette derrière. Ok, c'est un crabe avec un genre de coquillage d'escargot. Violet, ouais. Les couleurs, j'ai non. Pas. Les couleurs, j'ai pas. J'ai juste. Non, non, ça fait des grosses pétales en face de lui. Donc c'est un crabe avec une coquille d'escargot et une fleur au-dessus. Donc ça, c'est Paraxioborate. Non, y a pas. J'ai pas parlé de coquille d'escargot sur le. Non, mais je demande. J'ai le crabe normal. Ouais. Après, j'ai juste le crabe et en arrière-plan de lui, j'ai une grosse plante. C'est une espèce de plante des grosses feuilles. Bah, je sais pas ce que c'est alors. Il faudrait que tu m'expliques exactement c'est quoi la plante. De quoi est-ce que j'ai mis? Oui. Alors je vois ce qu'on peut les décomposer. Parce qu'en fait j'ai tellement de trucs que. Alors j'ai une espèce de plante violette. Les couleurs j'ai pas. Il faut pas me donner les couleurs, ça sert à rien. Il faut me dire à quoi ça ressemble. Bah c'est une plante, ça fait plusieurs fleurs là, quatre fleurs les unes au-dessus des autres. Quatre fleurs les unes au-dessus. J'ai pas. Avec des pétales. Ah, j'ai pas. Et l'autre, je classerais ça comme un champignon. Alors, un champignon, oui, attends, c'est champignon, ça, j'ai ici. J'ai quatre types de champignons. J'ai un champignon, en fait, c'est une grosse base avec plein de têtes de champignons qui montent. J'ai un champignon, entre guillemets. Ouais, c'est ça. J'ai une première base sur le champignon, une deuxième et un chapeau plus petit. Ah oui, non, c'est encore autre chose. Justement, j'allais y venir. Donc, j'ai un champignon, en fait, c'est un chapeau sur un chapeau sur un chapeau. Mmh. Troisième est plus petit que les autres. Ouais, c'est ça. Donc là, ça fait partie d'une des potions de la composition. D'accord, donc ça, c'est Fungi Ribramis. Et le deuxième? Et le deuxième? C'est donc je dis c'est une espèce de plante et sur ces plantes, sur ces fleurs, il y a une espèce de croix en dessous. Sur ces fleurs, il y a une espèce. Ça te fait une forme de croix en dessous. D'accord, oui, c'est en grappe. Ouais, ça fait une espèce de grappe. Ok, ouais. C'est en grappe. Je vois Pristaxiforex.
Et ça, ça me donne une fameuse potion avec le crabe dessus là. Ben donc, Fungiribramis et Pistaxiforex. Attends, hein. Hop, et ça nous donnerait PB. Donc, mets PB de côté pour l'instant. Bah, mets cette potion-là. Ok. Celle-là, je vais la poser là, comme ça, elle est sûre. Hop. Moi, j'ai noté que bah, on a fait ça à partir de ça, ok. Si je mets cette fleur-là avec ce champignon-là, qu'est-ce que ça donne? Alors, dis-moi qu'est-ce que... J'essaye des trucs, là, pour l'instant, ça m'a rien sorti. Je vais essayer FB, donc FB Fungiri. Ça me dit rien parce que c'est tous les mêmes. Donc, essaye un champignon avec PJ, avec un crabe. Un champignon avec un crabe, ouais. Ah, l'espèce de crabe avec une grosse coquille dessus, là. Ouais, un crabe avec une coquille. Ah, mais je vois le crabe que tu disais avec une fleur derrière. En fait, c'est la coquille qui est derrière. C'est le coquillage. Bref, donc essaye. Donc, oui, j'ai sorti quelque chose. T'as et dessus, quelque j'ai chose. Une espèce de légume tout desséché bizarre. Attends. Donc, tu as mis quoi dedans? Quel champignon? Le champignon à simple chapeau, là. Qui part en pointe. Un simple chapeau qui part en pointe et il n'y a pas de tache dessus. Je vais te le décomposer, je vais dire ça. Ça te fait des petites taches légères dessus. Qu'est-ce que tu appelles des... C'est pas des grosses... Enfin... C'est pas des gros points noirs, non. C'est rouge avec des petits points orangés. Ça ressort plus foncé de ton côté. Je vois pas les couleurs, c'est ça qui... En fait, j'ai un simple champignon. Ouais. Sinon, c'est le seul qui reste. Ouais, bon, allez, on va dire que c'est Fungi, Roborat... Et le crabe, le crabe avec la grosse coquille et le gros coquillage au-dessus qui part en pointe. Qui ressemble à un caca. Ouais, enfin, à part la couleur, hein, mais. Ok, Paraxio, Phylixorat. Ok. Et ça donne quoi pour mélanger ça? Là, ça sort une espèce de racine avec trois petites feuilles dessus. Que la racine, il y a une espèce de forme d'œil dessus. Une racine avec trois petites feuilles. Un genre de gros oignon, la racine. Ouais, truc bizarre, ça fait une espèce de dieu. Oxymurato. Oxymuratoroxis. Ok, c'est bien ça. C'est le OT. Oxymuratoroxis. Et donc, la potion avec la feuille que tu viens de faire, il demande un PA pour faire un OH. Alors, PA... PA... Ça, c'est Fungi CDF. Ça, c'est des PJ. Et le PA, tu venais de faire un PB. Et le PB, c'est Tritprist. Taxi Forex. Donc le PA, ça doit être une autre plante en grappe. Une autre plante en grappe, ouais, je l'ai. Il y en a deux. Tu devrais encore en avoir deux. Donc ouais. Essaye avec l'une. Et si ça va pas, essaye avec l'autre. Avec le deuxième ingrédient, c'est quoi? Avec la potion que tu viens de faire. Le crabe. La potion avec... que tu viens de faire. Non, c'est pas le. Oh. Non, OT, c'était quoi OT maintenant? Merde. L'oignon, là? Ouais, l'oignon, c'est ça, l'oignon. Ouais, ça m'a bien sorti quelque chose. OH. OH, c'est bien. Ça, je vais dans le mélangeur. Ça, tu peux le mettre dans le mélangeur, c'est le premier ingrédient pour avoir le cristal. Ok, c'est à toi de me dire ce qu'il faut que je mette comme sorte de plan.
Oui, oui, mais en fait, moi, j'ai que les. Enfin, d'un côté, j'ai les abréviations, de l'autre, j'ai les noms complets, mais il faut que j'arrive à faire le lien, quoi. Donc, j'ai besoin de PO et de FA pour la prochaine. Ouais. Donc, PO. PO, PO, PO. Le PA, c'était. C'est la troisième des trois plantes qui retombent, je pense, PO. Alors, tu avais utilisé laquelle? Bah là, j'ai. Toutes celles que j'ai utilisées, je les ai plus sur moi, donc c'est simple. D'accord, hein. Oui. Voilà. Donc, avec le crabe. Alors, attends. Le PO, tu l'as. Il me faut du FA. Et le FA, c'est un champignon. Un champignon? Lequel champignon? Fungiri, Barex, Boroxis, Roboratou, Ribamis. Le champignon qui part avec plusieurs têtes de tous les côtés. Champignon donc qui part c'est une grosse racine. Et après, tu as un petit champignon qui part à gauche, un autre à droite, un plus gros qui remonte, des trucs comme ça. Ah bah celui-là je l'ai pas. Ah tu l'as pas, merde. Peut-être le fabriquer. Ou alors essaye, normalement ce serait trois petits champignons avec des taches sur le haut. Là j'ai que deux champignons moi, j'ai que celui qui a les deux bases de la même taille avec le petit chapeau au-dessus. Et le deuxième champignon, c'est le petit champignon simple, un petit pied et un chapeau qui part en pointe. Oui, avec ça, c'était il y avait des taches au-dessus, c'est ça? Ouais, des petites taches, ouais, bizarre. Oui, donc ça, c'est le Fungiri. Bah, essaye celui-là. Celui-ci? Essaye celui-là. Non, j'ai pas de fiole qui en est ressorti. Donc, c'est pas ça. FA, ce serait quoi, alors? Prista machin, oxy, Aliomigna, c'est celui-là, donc ce serait pas ça. Pourtant, c'est dans les F, donc c'est des champignons. Moi, ici, j'ai vraiment quatre types de champignons. Hein, donc, celui que tu as déjà utilisé avec les trois chapeaux les uns sur les autres. J'en ai un qui paraît tout lisse. J'en ai un, c'est un peu plus plat avec des taches au-dessus. Et j'en ai un qui commence comme un champignon et qui finit comme plusieurs champignons. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais. Tu l'as celui-là? Non, non. Peut-être que je le fais, faut peut-être le fabriquer. Ouais, mais je sais pas comment, puisque. Je cherche une liaison. Parce que pour moi, ici, tu sais pas le fabriquer, tu l'aurais directement. J'en fasse quoi de ma potion avec le crabe là déjà? Potion avec le crabe. Tu la gardes. Ou bien alors tu l'utilises, mais c'est avec OX et OX, je sais pas ce que c'est. Tu devrais en avoir deux des OX en fait. Tu devrais en avoir deux. Ah, c'est Oxyluoroborate. Non. H O T Ah le O X est-ce que tu aurais pas une carotte qui se divise en deux? Carotte qui se divise en deux? Ouais. Non pas du tout. Enfin c'est peut-être pas orange hein, mais ça ressemble à une carotte, ça ressemble à deux carottes en haut et puis ça se rejoint en bas comme une seule. Non, j'ai rien de cela.
Est-ce que tu as une simple carotte, mais avec de grandes feuilles? Non plus. Et de longues racines. Non plus. Ah, c'est chiant, ça. J'ai rien de plus, hein. Pour rien faire. Que je peux en décomposer de ça. Inspecter. Oh, d'accord. On a trouvé un d'autres. Là. OH, Oglyrotor. OL, Oxyuroborate. Attends, ben, trouve FA. C'est quoi FA? FA. Fungiribarex. Fungiribarex, donc c'est le champignon qui commence comme un seul et puis qui part dans tous les sens avec des têtes un peu partout. Mais je l'ai pas, ça. Tu devrais l'avoir, il faut que tu cherches, tu devrais l'avoir. Mais j'ai un truc où toutes les potions sont stockées. Ouais. Après, bah, au milieu, j'ai un trou de trois trucs, et ça a l'air d'être les trois trucs qui manquent, mais j'y ai pas. Bah, vérifie. Il y a tout seul au bout d'un moment, mais... J'ai rien si t'as pas d'autres trucs qui donnent des potions, je sais pas si t'as des armoires, des trucs comme ça, des étagères. Bah, j'ai des armoires, des étagères et tout, mais je peux rien en faire, quoi. Parce que pour moi, il me faut un FA pour pouvoir faire un DL. DL, c'est le Delphi. Delphilogie. Scans. Est-ce que tu as le DL Delphilogis 4 donc c'est une fleur Delphilogis 4 en gros c'est une plante donc il y a ses racines, ça forme des pieds, ses feuilles, ça forme des bras et bah, ça forme une tête avec des cheveux en bataille et oui. Ah, tu as celle-là, d'accord, donc tu as la DL. Ok. PL, ce serait quoi PL? PL. PL, PL. C'est un. Prestaxioluborate. Prestaxioluborate. Luoborate, ouais. Prestaxioluborate. Staxio, Lioborat, ben je le vois pas. Ou à moins que. Non, je peux pas changer de page, donc. Bon, celui-là, je l'ai pas, merde. Fungi. Paraxio. C'est Prestaxio ou Paraxio? J'ai dit. PL. PL. PL, Prestaxio Luoborate. C'est une plante. C'est encore une plante. Mais je sais pas laquelle parce que je l'ai pas. Plante, je l'ai pas trouvé. J'en ai pas 36 000. Si, là ça m'a rien ressorti, c'est l'autre. Et normalement, ça te fait le OL, et le OL, c'est le deuxième ingrédient pour... Ou alors, c'est pas un L, ça, mais... Ça ressemble à un L, ou alors c'est un C. Un C, c'est C, je vais te dire. Attends, la potion que tu viens de trouver, c'est DL. Delphologis 4, c'est DL, hein. DL, ouais. Ok, donc c'est bien PL, hein, c'est la même lettre, donc... Prestaxio Luborate. Et je sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce que je peux pas changer de page ou... Ah.
Tu dis que c'est une plante avec une plante, mais j'ai pas 36 000 plantes. Mais je sais bien. Parce que j'ai appris Staxiophylexorat, mais j'imagine que c'est pas ça. Pristaxiophylex, Pristaxiophorex. Et j'ai rien d'autre. Enfin, si, Primaxiophylexo et Delphologiscat. C'est tout ce que j'ai comme plante. Ça fonctionne, toi. Ou alors, il faudrait. Est-ce que tu as une potion OL, tout simplement? Ah non, pas du tout, non, j'ai rien de ça là. OL, donc ce serait le. OL, c'est Oxylioroborate. C'est ça. Donc c'est une patate. Une patate? Oui, c'est le dessin d'une patate. Patate germée. Bon. Plus, hein, j'ai rien de ça. Oulala, qu'est-ce que c'est là? Donc soit tu dois réussir à faire les ingrédients d'une façon ou d'une autre. Tu avais du PO. Hein? Attends, ton DL, casse-le en deux. Ton DL, casse-le en deux. J'ai OH. Quoi, tu c'est as OH qu'on a fait, la non, potion qu'on a fait. Non, tu as fait un DL. Comment j'ai fait un DL? Tu avais un DL que tu n'as pas fait, mais tu avais un DL sur toi. C'est la plante qui ressemble avec à le crabe, là. Non, un petit bonhomme avec plein de pétales au-dessus. La plante, donc les racines, ça fait ah, les oui. jambes, voilà. Et ouais. Tu l'as, celle-là. Ouais. Divise-la. Je sais pas si on peut la diviser, celle-là. Tu peux, ça va faire du PO et du FA. Ah, d'accord, là qu'on peut... Oh, oui. Voilà. Donc, le PO, tu le divises. PO, c'est lequel? Bah, celui qui commence par un P, j'imagine. J'ai pas le nom des trucs, moi. PO... Bah, tu as quoi? Tu as eu deux machins, donc dis-moi ce que tu as comme dessin. J'ai eu les champignons, là, qui partent dans tous les sens, là. Le champignon qui part dans tous les sens, c'est bien... Donc et ça, j'ai ça eu... c'est le FA et le PO c'est l'autre et ça devrait être une espèce de plante double enfin deux plantes là, ça fait deux plantes qui partent sur la même racine. Ouais, c'est des marguerites. Ouais. Ok, ouais. Ok, le PO, donc les marguerites, tu le divises en deux. Ok, ça me fait du PL. C'est du PL. Eh ben c'est ce qu'on avait, c'est ce dont on avait besoin. Ok. Et ça me fait une espèce de. Et le OX. Et l'autre c'est une espèce de radis, une espèce de racine avec trois feuilles. Une racine avec, c'est de l'oxymurorexeris. Peut-être de forme de carotte. Ouais, c'est une carotte un peu, ouais. Ok. Donc ce OX, tu reprends ton PB, la première potion que t'avais fait au début. L'espèce de crabe là, ouais. Ouais. Tu mélanges avec le OX, avec la carotte. Ok, oula, ça fait un truc ultra lumineux. C'est, enfin, lumineux. C'est du AM. Ouais, ça me fait une sorte de betterave, on va dire, avec deux feuilles. Une betterave avec deux feuilles. Une betterave, ouais, Alliomigna. C'est ça. Donc tu as le AM, ok, très bien. On a le PL, puisque tu viens de le diviser. Ouais. Le PL, j'en fais quoi d'ailleurs? Alors, est-ce que tu peux reprendre du DL? Le DL, c'est quoi? C'est alors, le Delphologiscat, donc la feuille qui ressemble à un bonhomme. Ok, ça, faut que je reprenne ça du coup. Ok.
Et je mélange avec le PL. Tu peux mélanger avec le PL. Mélange avec le PL. Ça te ferait du OL. Là, ça me fait... Ouais, une espèce de patate avec des jambes dans tous les sens. Là. Voilà, c'est ce que je te disais. C'est l'oxyuroborate... Ok. Voilà, ça, c'est le deuxième ingrédient pour le cristal. Donc ça, je vais mettre dans le mélangeur. C'est ça. Ok. Tu reprends du DL maintenant. Donc, de retour, la plante humanoïde, là... Les pieds, les bras, la tête, les cheveux. Okay. Tu reprends et tu divises. Je la redivise. Ok. Donc là, normalement, tu as eu du PO et du FA. Bah pareil, les marguerites et les champignons qui partent dans tous les sens. Alors, champignons, c'est FA, donc la marguerite. Les marguerites, c'est le PO. Tu prends les marguerites. Tu le mélanges au radis. Ok. Ou à la betterave, je sais pas. Ça te fait un PF. Et PF... Oui. Un PF, ça doit être un crabe paraxiofléaroxate ou quelque chose comme ça. GPF, marqué dessus. PF. Eh bien, tu le mets, c'est le troisième ingrédient pour faire le cristal et donc on est bon. C'est parti. Ouf. Ah, il était pas évident, hein. Ça, faut que j'aille le mettre en bas, lui. Ouais, moi j'ai rien qui est ouvert. Hein. Ouais, c'est normal. D'accord. J'ai encore une action à faire. Ah oui, tu dois poser le cristal. Et placer, ouais, avec les deux autres. Ça m'a fait quoi là? Ah, ça me fait un gros cristal rouge. Et ça? Prendre. Bah. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai une cinématique, j'ai une dague en main. Je sais pas d'où elle vient, mais. Moi j'ai la gemme. Espèce de gemme. Changer nos rôles en fait. C'est pour ça. Moi j'ai le reste de la. On va me restaurer. C'est la pierre des âmes. On a changé nos rôles. C'est ça le truc. Bon, c'est pas grave, hein, mais. Parce que moi j'ai l'histoire de la dague et toi tu as l'histoire de la gemme, alors que ça aurait dû être l'inverse, puisqu'on avait commencé inversement. Parle fort dans le jeu. Ah, moi j'ai diminué le son. Hein. You've restored the blade. And with it my essence. Wait. He's here. Come. OK. This is the royal passage. Its construction was ordered by my father for his secret rendezvous. He was a good king once, but his desire for a lasting legacy drove him to desperate measures. He was okay, used j'ai l'impression d'être dans une cage. And now he's back. Je suis dans une cage, effectivement. Moi, je suis le passage royal. My mind feels clouded. Je suis encore dans le cinématique. There is a power in me. I sense it gained by blade or blood. I do not know. I need answers. Follow this path and do not falter. I will stand by you when you need me most. Ok. Merci, fantôme. Bon, bah, je peux rien faire, je suis enfermé dans une cage, hein, donc.
Voilà, fin du jeu. Allez, au revoir. Ah bon? Bah non, je sais rien, moi. Hein? Abuse pas, frérot, je veux pas rester à la Bah ouais, mais bon, pour l'instant, voilà. Ah, coucou. T'es où? Coucou. Derrière toi. Coucou. Ah. Que je suis en train de descendre. Voilà, je t'ai libéré. Pousser. Attends, oh. Il y a quelque chose qui a bougé. Repousse. Ça fait bouger les statues. Et là je peux pas. C'est quoi ce bruit là? C'est comme une horloge. Une grosse horloge. Non, c'est de là que je viens. En fait, j'ai un gros bouton là, quand j'appuie ça réoriente. Ça tue. C'est fermé. Et là j'ai de retour des. Ok, donc moi aussi j'ai des statues. Ok. Mais je ne peux bouger que des flèches. Ouais. J'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose parce qu'il est. Alors moi le bouton ça me fait bouger toutes les statues en même temps, donc je peux pas les bouger indépendamment okay. Des autres. Regarde si je change la flèche d'une statue, est-ce que ça la fait bouger dans l'autre sens? Vas-y. Bah j'ai changé, vas-y, regarde un peu dans quel sens vont les statues là. Bah moi y'a rien qui bouge de mon côté là. Et je retourne dans l'autre sens. Non. Et moi quand j'appuie, c'est que ça fait quelque chose. Bah j'entends. Ah. Non non. Mais regarde. Donc, regarde la statue. Fais-la bouger. Fais-la bouger. Ouais. Maintenant, je change le sens. Regarde, fais bouger la statue. Est-ce qu'elle a changé de sens? Ah, ça a changé de sens de rotation, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, il faudra que tu les mettes comme moi. Ouais. J'imagine, parce que moi, je peux pas les. Mais il faudra me dire dans quel sens il faut que je les bouge. Donc, alors, j'ai la statue qui venait de changer de sens, là. Elle regarde vers la droite. Donc sa main gauche qui touche le mur. Toi t'as là, sa main gauche qui bouge le mur. Alors attends, c'est quelle statue? Celle qui a changé de sens. Ou alors ils ont toutes changé de sens et là j'y comprends plus rien. C'est en haut à droite la statuette là, c'est ça? En haut à droite. J'ai quatre statues, t'as quatre positions possibles. Alors, t'as en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche ou en bas à droite. Ben en fait moi j'ai deux statues l'une à côté de l'autre et puis je dois courir et faire le tour de l'autre côté du château pour voir les deux autres. Et j'en ai une qui est cassée au niveau de la manette donc je peux pas changer son sens. Ok alors vas-y. Change le sens de rotation là d'une statue, faut voir. Vas-y, j'ai changé le sens de rotation d'une statue. Encore? Je rechange. Ok, c'est en bas à gauche. Du coup. Celle-là, pour moi, elle regarde à droite. Regarde à droite. Main droite contre le mur. Main gauche contre le mur. Hein. Ok, on va dire que c'est comme ça. Ça va être la merde ce truc, je sens. T'as rien d'autre
Moi j'ai rien ici. Parce que moi j'ai pas beaucoup de lumière ici, donc Moi j'ai rien à part le bouton et les statues. D'accord. T'as réussi à tourner la première dans le bon sens? Oui, je t'ai dit la suivante. Ah, suivante. Bah, la suivante va faire tourner pour qu'on voit un peu. Attention, je change de sens. Ok. Ouais, d'accord. On change de sens pour voir. Voilà. Ok, en haut. Celle-là, ah, elle me regarde moi. Ouais, c'est bien. Bah quoi, c'est bien. Je sais même pas où tu te trouves, toi. Faut non, pas dire ce que. Elle est dos au mur, quoi, si tu veux. Elle est dos au mur. Ok. C'est bon. Ouais. Suivante. Attends, je vais aller de l'autre côté. Voilà. Alors, bon, la troisième, je change de sens. Ok, en bas à droite. Et de retour, elle est dos au mur. Ouais, ça change, problème ça. Parce que... Ouais. Bon, elles sont pas dans le même sens toutes les deux, elles doivent aller dans le même sens. Là, j'aurais beau appuyer, il y en aura une qui fera face et l'autre qui fera dos au mur. Ouais, on est dans la rotation. Change la rotation. Hop, voilà. Comment on fait pour les... Tu peux pas les bloquer? Non. Mais si je la change, si je change de rotation pendant un tour, il y aura un décalage. Donc il faut trouver le bon décalage. Vas-y, change de rotation. C'est fait. Change de rotation. Là, c'est bon. Voilà. Et la dernière, elle regarde le mur et je peux pas changer la rotation. Ok. Donc là, on serait dans le sens. Il y a que l'autre que... Faut que tu t'amuses à faire changer la rotation. Ou à laquelle? La première, en fait. La première, c'était là-bas au fond. Vas-y. Voilà la première, ouais, deux secondes, c'est. Voilà, je attends, suis là. Au moment je te dis. Attends, tu fais. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Vas-y. Ah, voilà. Porte ouverte, très bien. J'imagine de ces statues. Moi j'ai des trucs ici qui disent des choses, donc on y va. Le sanglier a le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Le dragon est quelque part à la gauche du roi. Ah ouais, donc toi t'as aussi des. Donc le sanglier. Le chevalier le plus proche de la gauche du roi manie l'épée. Attends, sanglier, un chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Donc il appelle le sanglier là. Le cerf ne se trouve pas aux extrémités, pardon. Le chevalier maniant la hache
et quelque part à sa droite. Ah, je peux changer les boucliers, d'accord. Est-ce que tu peux changer les armes peut-être, quoi ? Moi, c'est les armes, ouais. Ok, le Phoenix maniant le marteau se trouve quelque part à la droite du cerf. Le dragon se trouve quelque part à la gauche du roi. Les chevaliers des deux extrémités ne manient pas le marteau. Donc il n'y a pas de marteau, ni tout à gauche, ni tout à droite. Bon, ça va un peu. Le chevalier le plus proche de la gauche du roi manie le pied. Donc tu sais qui a l'épée, c'est bien. Donc à la droite. Le cerf ne se trouve pas aux extrémités, le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite. Donc tu as déjà mis l'épée ou. Oui. De l'autre côté du roi, la statue à côté du roi, c'est la masse. Parce que les extrémités. Le marteau. Parce que les extrémités n'ont pas de marteau. À la droite, on a dit pas à la gauche. Quoi? L'épée, tu as dit que c'était à sa droite? Non, à sa gauche. Non, oh, bah là, ok. Donc le marteau, ok. Un sanglier a le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Donc tout à gauche. Ce sera la masse, c'est bien, et ouais. Donc voilà, toi tu as tes armes qui sont bien placées. Donc le sanglier, le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche, donc le sanglier pourrait être n'importe où sauf au dernier, tout à gauche. Le phénix maniant le marteau, ok, le phénix, voilà. Quelque part à la droite. Et là, moi je le sers. Le cerf ne se trouve pas aux extrémités. Okay. Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite. Donc le cerf, hop, il est là. Le sanglier, le chevalier maniant. Donc le sanglier, il est là. Et ok, c'est bon. Et le dragon, c'est le dernier, il est là. Voilà. Ça va, c'était facile celle-là. Ouais. Ah, encore un sacrifice, allez, c'est bon, vas-y, je me sacrifie. Now choose quickly. He will soon break my barrier. Allez. Non mais j'ai le choix là en fait, hein, c'est ça le truc. Ah, t'as le choix. Ouais. Allez, adieu. Salut Emo. Bah, ça va, et toi? Bah voilà, on a terminé le jeu. Tu es tout seul. Comme d'habitude, hein. Ça commence à bien faire tout ça quand même, hein. Ah bon, on pourra commencer le suivant, on a une petite heure. Bah ouais. Ah ouais. Non. Au moins on a sauvé 1 sur 2. Plus que 3 sur les 6 de départ. Voilà. D'accord, on est obligé de laisser le.
Ah bah, il y en a eu des bêta testeurs. Putain, la vache, oui. Ok, donc voilà. No! What have you done now? Cursed, I remain! Cursed, as is my bidding! You! How? How? Why now? My dear friend, you never cease to entertain. You've played the part of steward long enough. It is high time for royal commands to resound in these halls once again. Oh yes, my liege. But commands, who would you command when I, your last remaining inferior, is punished? Ah, yes, I suppose you've always been a good servant, haven't you? Oh, yes, yes, your majesty. Then let us now discuss the path to your redemption. Ok, bon, et bah voilà. Bah, c'était sympa. Bah oui. Hop. On va switcher sur l'autre directement. Bah oui, hein. On a une heure, on va commencer. Hop. Paf, paf.